Nous avons mis en disposition pour vous, notre penseur officiel à la télévision, qui
grande caractéristique de chacun de vous. Le relais, comme on le dit aux autres gens, il s'agit d'une chose qui a besoin de tout ce pour exister. Il est aussi susceptible de comparaison. Par contre, la commune se situe au-delà de tout comparaison. Et simplement, parce que, ici, avec une valeur ajoutée, il est indépendant de vos rêves et destinations spatiales. Les définitions sont assises, mais comme on dit, la fin et le début en lieu de départ. Donc, ça nous permet de puiser ces caractéristiques et les analyser minutieusement. Nous sommes des étrangers, c'est une femme qui est tout à fait, parce que nous vivons dans une société qui se compose de diverses relations. Dans toutes les relations produites par nous, c'est une relation de la ceinture. Maintenant, ces définitions philosophiques que nous avons abordées, est-ce qu'il ne faut pas compter par ces philosophes? Nous disons. Et voilà la première contradiction. L'absolu est entendu par nous, ça réduit à la catégorie des relations. Parce que les concepts sont plus privés des pensées humaines et des relations. Des relations, des relations. Je ne suis pas convaincue. Passons à notre deuxième contradiction qui est encore plus grave. D'après la définition de la philosophie, l'absolu constitue un élément qui est parfait, ultime, sans défaut, des bons produits tout en perfection, comme celle des extraits de la tête. Ici, utiliser les deux, on utilise des comparaisons. Une comparaison dans le vivant. Parce que oui, je vous en plus, les traits de la perfection à partir des faiblesses et des imperfections des extraits de la tête, en lui parlant de la perfection. C'est par les imperfections. Et aussi, là, on a vu une autre fois une relation de déduction. Donc, en définitive, notre perception du relatif, de l'absolu, ne peut être que relatif. Et même la perfection qu'on attribue à cet absolu est utilisée par une comparaison évidente qui est bien contradictoire les définitions que nous avons abordées. En plus de ça, on attribue à l'absolu des. C'est des vices de la vie. Bien, pour être sincère, je suis la gardienne de la vérité, mais cette vérité m'affecte. Bon, ma vérité à moi aussi, bien sûr, de la vie. Pour être sincère, le fond absolu n'est plus d'être déguisé et masqué dans le fond de la vie, puisque tous deux mènent à une seule et unique direction, la vérité, une seule vérité, la vérité de la vie. Ça représente tout ça, il y a des choses dans ce monde qui n'ont pas besoin de même pour exister. J'ai autrefois calculé des critères pour cette question. Quand j'ai trouvé une partition de ce point à ce moment, où le milieu de cette lumière, j'ai dit une vérité ou des prises de Dieu ou la vérité. Ou des prises de Dieu ou la vérité. Et on dit que c'est de l'heure que j'ai une vérité en voilà une personne à l'entrée de l'envoi et de fermer les portes mobiles qui sont pas et les fédés. Vous savez que pour l'instant, la mort est arrivée. Parfois, nous regrettons une vérité pour notre culture par ses conséquences. Elle est aussi bien fait de l'instant qu'elle existe en nous. Nous voulons sa nature. Mais nous refusons de croire. Nous refusons de croire à cette vérité absolue comme la mort. On les affirme, puis nous sommes changés. On les affirme, puis nous sommes affirmés. Mais voici le procédé de l'existence. La voici, la loi de la vie. Une loi qu'on ne peut point contrôler. Il y a une essence, il y a une vie. Et au milieu de ceci se trouve une vie. Cette perte, cette vérité n'est-elle pas absolue? C'est une vérité qui ne dépend que de. Comment cette vérité qui ne dépend que de soi-même et qui porte en soi-même sa raison d'être? La victoire des précédents, notre histoire, ainsi que l'histoire des saisons a pu être relativisée. Nous, les êtres institués, qui montrons avec des vérités provenant de l'essence de notre conscience, comme celui de notre esprit, un débat en sincère dans les rangs d'intimité, donc lorsque les textes sont apparus bien avant le Christ. Une question à laquelle s'est apportée les plus mémorables penseurs depuis l'Antiquité. Et en ce moment-là, nous.
On s'oppose aux acclamations de nos adversaires puis aux autres français. Puisqu'il y a plus et 10, ce n'est pas par plus, 4, 10, 100, même 10 millions de cas qu'un autre soit répété, nous dit qu'on ne fait pas grand pas. Tant que le mot sapien existe, rien n'est discutable. Rien n'est indiscutable. Nous dénions ce raisonnement de cette limitation et ne l'acceptons pas. La vérité, mesdames et messieurs, depuis le début et jusqu'à la fin, a possédé, possède et possédera cette partie de ces diversités, ces deux états, tantôt absolus, tantôt relatifs. Marrakech est évidemment une chose de tenter qu'il n'est pas par rapport à l'homme. Mais je ne l'ai pas d'autant par rapport à sa fille et son roi. Et s'ils affirment que le rap est le meilleur genre musical, eh bien là aussi ça dépend. La plupart des adolescents sont adultes en rapport, tandis que les plus jeunes ont 4 ans pour une musique classique, plus calme et moins vulgaire. Voyez-vous cette proposant, la vérité. Voyez-vous cette proposant, la réponse du cas que l'on aurait fait aussi, des critères parmi tant d'autres qui font que la vérité c'est relative et non absolue. Qui font que la vérité c'est relative et non absolue. Et que sont de chercher les cerveaux sur l'extrémement pour trouver cette relativité. Et des noms de l'exemple de la société. Souvent, on ne peut entendre de notre position à cause de philosophie présentée au média. Cette société qui sera aujourd'hui. Qui sera aujourd'hui office de ces fusions de preuves de notre contenu vérité et pratique. De notre contenu vérité et pratique. L'une des plus importantes, la fameuse notion du bien et du mal. La fameuse notion du bien et du mal. La fameuse notion du bien et du mal. Cette notion qui nous a été donnée dès notre plus jeune âge, dont a commencé par les histoires épiques et contre-dopées. Ce valeureux chevalier élu, grave et courageux, contre ce magnifique acteur au plan machiavélique. Cette notion qui semble pourtant absolue, qui semble pourtant absolue et prédéfinie depuis la nuit des temps, est en fait. Absolue, prédéfinie et statique, est en fait perceptible le comportement des circonstances et des croyances et des certains. Un criminel qui viole, vole et tue, on ressent plus défini et on se propose bénéfice et s'impose de famille régulière. Et s'impose de famille régulière. Et il est sur sa vérité dans la régulière. Et même en justice, c'est moi, visant par préserver, c'est moi, visant par préserver le bien-être et la sortie, et qu'en fait, Je vous invite tous à imaginer un monde où vérité est absolue. Pas besoin d'une imagination vaste pour savoir que réalité est un monde, éliminer une dictature avec des dividendes indiscutables et toutes les libertés. Soit répondant, si vous affirmez que toute vérité est absolue, c'est le problème de la civilisation. Dans la parole de Dieu. Si votre corps est musulman salafiste,
Vous les connaissez sûrement tous, ce sont les musulmans sunnites fondamentalistes qui présentent toute leur contradiction de vérité. Et c'est ça la question, ces musulmans, ce n'est pas pour former deux types différents, très différents. Premièrement, les extrémistes qui sont la ou encore ceux qu'on appelle les révolutionnaires djihadistes, en gros, les terroristes. Le deuxième, qui s'est traduit par les critiques, si, mais qui n'ont aucune sympathie pour prouver les mouvements des hommes. Vous savez, ce que vous faites des critiques dont je viens de vous parler, en le même corps, la même critique absolue, la même parole de Dieu les rattrape, mais il l'interprète différemment. L'humain, c'est de toi, diffère l'un de l'autre. Les gens sont distincts, mais pas la parole de Dieu. Dieu a la seule parole véritable absolue. Mais les hommes dans leur esprit sont différents. Devant l'incarnation des vies, le filiatre qui dit pour se trouver quelque chose, et même des visages sont tout une vertu. Chacun interprète les choses en bonne forme. Mais ils savent que la parole de Dieu est absolue de ce qu'ils ne sont pas. Ni les temps, ni l'humain, ni les philosophes, ni personne ne peut la changer. Cherchez-moi les points de vue, m'engagez là. Parce que, comme vous avez dit, la parole de Dieu est absolue et ne restera pas qu'il dit, malgré la perception des gens, quand il a des temps. Ce n'est pas la relativité qui, de toute façon, est de la dyslexie, la dyslexie religieuse. Les gens se mettraient sur ce qu'ils disent, pensent bien faire, mais ils sont mal guidés. Ça fait quoi les choses de pouvoir les choses, et comme ça, les gens commencent à ouvrir les yeux et à voir la vérité divine absolue qui se présente devant nous. Chers amis, avant de commencer mon intervention, je voudrais bien que vous applaudissiez pour mon cher ami Clarisse, c'est sa première intervention, son premier débat. Ce n'est pas grave de briser les règles une fois, mais c'est pas grave. Premièrement, évidemment, je voulais vous demander, chers amis, de défendre une partie du sujet. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est de défendre la vérité relative. Vous êtes supposé et pas défendre le fait que la vérité, elle peut être relative, mais elle peut aussi être absolue. De vos interventions, je suis en train de comprendre que vous êtes en train de défendre la vérité relative. Et c'est tout. Il n'y a pas de caractère, mais la théorie n'existe pas. Bien sûr, elle peut être inspirée par différentes pratiques qui existent dans notre société. Comment dire la théorie? Cette manière de guider les gens à partir des couleurs de leur peau, de leur origine ou autre. Maintenant, tout évidemment, c'est le terme de couleur. Si les inconnus qui parlent de noir et blanc, qui est-ce qui vous dit que nous ne sommes pas tous des avatars dans cette salle, avec toute une nuance de bleu imaginable? Exactement. Rien ne vous confirme totalement que le rouge aperçu par cette terre de bleu et en réalité, la substance solaire est tout en rouge. Ou que le bénéfice est quelque part. C'est personne. Mais. Le fait d'être réel et étudié, quand on est tout est adopté pour une identification de couleur, ça doit bien avoir avec la nature de nos électrons. Bon, chers amis, je vais juste vous demander qu'est-ce qui vous dit que la daltonie en effet existe. En fait, qu'est-ce qui rend les daltoniens une catégorie de gens? Qu'est-ce qui vous dit que leur normalité est en effet anormale? Il faut vrai, quand je n'ouvre que cet œil, je peux voir du bleu là-bas, comme du vert, du rouge, du vert, et quand c'est comme ça, je vous rappelle tout ça que c'est d'attention de plus tard. Alors dites-moi, qu'est-ce qui est vrai et absolu? Ça ou ça? Qu'est-ce qui vous donne le droit de dire que c'est l'une d'elles et en fait c'est la normale par rapport à l'autre? Qu'est-ce que le normal? Est-ce que votre normal est forcément le mien? Chers amis, vous prenez ce sujet depuis quelques jours maintenant. Qu'est-ce qui vous dit que vous êtes en train de parler de la même vérité? Le jour où le sujet du débat vous a été communiqué, vous vous êtes sûrement arrangé pour en discuter. Vous donnez le point de vue, parfois vous vous trouvez sur la même longueur d'onde, vous partagez la même idée. Mais qu'est-ce qui vous dit que vous êtes arrêté en train de parler de la même chose? Qui te dit que quand vous dites oui, c'est d'accord, je pense aussi que je pense que c'est la même chose? Chers amis, la vérité, c'est quelque chose de relatif. C'est clair, c'est net. Vous voulez juste vous dire que si l'homme.
votre raisonnement, aucun d'entre vous ne prendra la peine de faire une bonne intention de l'effacement de votre raisonnement. Chacun d'entre vous gardera par exemple un seul titre qui lui impose de naturel, ça veut dire pour lui-même. Vous essayez en aucun cas de prouver qu'il correspond exactement à celle de son interlocuteur. Parce que nous sommes ici, nous pourrions encore bloquer sur la nature du feu, ma foi, encore de la vérité. Des pierres, au lieu d'essayer de protéger contre l'autre pour faire du feu. Chers amis, l'absolu, c'est la vérité, c'est vraiment. Ça fait qu'on est condamné. Mais notre sujet est égoïste, beaucoup plus intelligent pour que cette vie d'un être de pas sain. Il n'y a jamais eu cette voie pour vous voyez, l'absolu n'existe même pas. C'est juste un mot que le cerveau a créé pour se consoler lors de cette vie de l'absolu. C'est lui qui l'a pas encore trouvé. Comment toi, simple enfant, le mettant à la vérité par peur du temps de quelque chose. Mes amis, je vous dis que vous êtes une. Parce qu'au final, à la fin de ce débat, vous avez eu une équipe gagnante. Qui sera face à elle, bien sûr, une équipe perdante. Mais, comme le dit bien le Seigneur, il n'y a jamais de vrai perdant au sens propre du mot. On perd un débat, mais on gagne en intelligence, on gagne en prestation, on gagne en intellect, on gagne le cœur de nos gens. N'est-ce pas là la beauté même de la relativité? La tête, vous défendez, mais plus simple, plus simple partie de la tête de l'un à l'autre. La vérité de la tête n'est qu'une partie de la tête. Et en plus, vous défendez du pied avec une grande partie. Et comment vous venez du pied, cette force en forme de la tête est tendue et relative, puisque les dimensions de la tête ne peuvent jamais changer. La vérité est bien plus large, plus haute, plus profonde. Thank you.
Je mentionne que si vous prenez la vérité que ma fille, et bien je cite le même sur la vérité que ma fille. C'est une bonne société. Donc, vous avez dit que le jour de la terre ne vous dit que lorsque la terre est dans l'espace, dans l'espace, c'est clair, n'a pas forcément la même valeur. Et c'est la même chose pour le temps et le niveau de valeur que vous avez fait dans le monde. J'avais une question qui m'est partie dans le sens du début de ce débat. Une question qui a des favorables pour le public. C'est surtout que la vérité relative est toujours sur le sujet pour répondre à la question. La question est la suivante. Est-ce qu'il existe vraiment? C'est vrai que l'existence a été toujours prise comme une vérité absolue, mais comment est-ce sûr? Comment puis-je savoir que je suis réellement devant vous des récipients qui sont en train de contrôler les devants? Maintenant, Descartes me dirait que je pense à l'heure d'existence. Mais cette pensée-là ne provient pas de mon cerveau. Un organe vital qui compose des relations sur plus de 86 milliards de neurones. C'est un peu plus loin pour vous trouver. Vous devez penser que ça va ou si je ne veux pas. Ah! Mais comment puis-je sentir ce sentiment? Ah, donc le cerveau implique beaucoup de relations avec des organes qui sont des muscles, c'est une petite ladule. La douleur est une réflexe. Comment puis-je respirer? Ah oui, grâce à mes poumons! Eh, donc je ne voudrais pas, et je n'existerai pas sans mes poumons et ton oxygène! Ah, cet oxygène-là ne provient-il pas dans la juste à côté de l'école? Et c'est ça, comment tu sais pour se développer? Ce regard, je pense que c'est assez indépendant pour trouver mon point de vue. Notre existence dépend de notre organisme et de l'existence d'autres milliers de chaleurs de cette enfance supérieure. Pourtant, vous voyez que la boucle n'est pas finie. Notre existence même, qui existe absolue, de façon illogique et purement incontestablement relative. Et puisque même l'existence de vérité est relative, pourquoi ne traitons pas de même ici? Je parle d'abord de Mme Delévé qui a dit qu'en défendant que la vérité est relative, vous n'y êtes pas. Bon, si vous ne comprenez pas, Mme Delévé, je ne faisais vraiment pas attention quand ma camarade Marois parlait parce que ce qu'elle a dit, c'est effectivement le contraire de ce que tu elle a dit que la vérité peut être relative. Nous, on défend que la vérité peut être relative. Comment peut-elle être absolue? Et on vous l'a prouvé. Et puis, je suis vraiment désolée pour M. Mouzaï, mais ça m'empêche que ces arguments sont si paradoxaux. Et je pense qu'ils sont en train de partir en sujet, vu qu'il parlait des dictatures. Je ne comprends pas ce que cela peut désigner. Est-ce que cela peut désigner une vérité? Et puis, Mme Delévé se permet de racisme. Je ne comprends vraiment pas. J'ai vraiment fait attention à vos interventions. J'ai essayé de comprendre. Mais c'est des exemples qui n'ont vraiment aucun relation avec notre sujet de notre débat. Et puis, Mme Delévé, qui n'a pas cessé de me parler des opinions. Je me suis dit que c'est une opinion, je l'ai dit en vérité. Et je me suis dit que moi, je suis en train de dire ma main comme ça. Et je me suis dit que c'est une vérité absolue qui existe. Est-ce que vous pouvez comprendre ma parole comme une vérité absolue? Je ne pense pas, vous êtes vraiment en train de dérailler. Honorable auditoire, digne membre du jury, est-ce que vous pouvez chercher un peu? Me revoilà. Et je vous remercie avec une question assez intéressante et qui fera sûrement réfléchir la plupart à propos de la position que vous défendez des clients. Alors, on peut être formulé comme ceci. Pensez-vous qu'après l'heure de communication, le moteur pourrait être présent après la
accent. Il est expatrié. Après, le mec m'a mis la formule de Dieu, c'est pour sortir de le plus difficile de trouver la main de trouver que la vérité est présente dans la vie. Tout ça a pu apporter le mec. Mais maintenant, comment est-ce que tu n'as pas pu comprendre le propos? Dieu, il est venu vraiment. Bon, à vous de le voir, je vous passe à autre chose. Je m'en demande de vous abonner, hein. Et Dieu permettez-moi de vous signaler que notre partie de l'État.
facilement lever leur vérité et en facilement pas lever la leur. Tout en disant la vérité vous hurle par la fidélité et vous faites qu'elle est en irréalité. Tout en disant, tout en disant, comme l'écrivain l'a dit, ça c'est des naissances, c'est des démons. Mais qu'est-ce que la vie est, qu'est-ce que c'est simplement un nom pour une maladie, des fous à la tombe, et qui sont des parts de nulle part, de nulle part, et qui sont sans plus les personnes, et des plans brûlés à la part de l'éclair, et la vie est écoutée des choses, des batteries à l'envers de Jérémie, la vie est cette avant qui vient de faire quelque chose de fait, ou encore ce véhicule qui les dernières qui m'a déconnu. La vie est ce sac rempli d'épreuves que je n'ai même pas donné à faire. Et tout ce que là que je l'ai préparé, et ce passé, un présent et un avenir. La vie est le sang pour l'existence et sans sens. Et c'est un vulgaire du passé, m'appelé de mots, de peine, de regret, de bonheur, de péché à cet âge, de rancœur, de disamertume, de dérapage, d'entrée sur des coups. La vie est simplement. Ce bric-à-brac de maisons, d'enfants, de parents, de trois repas, encore signés pour céder d'un réveil et de quelques heures de sommeil, et d'un métier de rares journées de plus. Ou est-ce simplement une illusion, un drame, une tragédie dont nous sommes personnages, le devenu d'un adolescent, dont nous sommes caractères. La vie est. Oui, cette routine qui finit par débuter des froids, des éléments le long de notre échelle, qui finit par un visage tourné de rêve, des lèvres liées, encore figées, attaquées dans un cercueil que l'on trouve dans les rappels, une certaine tranquillité, sa ronde paisible et vraiment, un serpent d'un monstre de punir, qui ne laisse rien mais qui le met, un flou d'émission qu'on ressort pour la dernière fois que je fais ça attention. La vie est. Un trou noir d'une claire obscurité que l'entre deux pieds et le pensée. C'est là où la limite par la haute à cette naissance que je vous en. Alors vous en marquez quoi encore à parler d'être trouver alors que même votre existence ne l'est pas. Alors, vous nous faites de tous les êtres qui rendent tous les jours pour des désaccords, une variante de vérité. Qu'en est-il de ces philosophies qui se posent, qu'en est-il de ces sortes qui se contredisent, qu'en est-il de ces livres qui discutent en s'en fout. En étude, ces guerres qui sont depuis longtemps, en étude, ces théories que renouvelent le temps, en étude, ces principes qui n'ont pas parlé de l'État, en étude de toutes les états différentes et perfections, en étude, en étude, ces promesses à la perfection, en étude, ces directions qui vont dans tous les sens, en étude de toutes ces ailes en silence. Je suis devant le guéri à la droite de mes épaules, à la gauche de mes camarades. Oui, je suis content. Toutes ces propositions sont brillées, chacune est relative dans certains éléments. Où est-ce que vous voyez la première étape? Aussi inexistante, une inexistante, dans l'épicine, une inexistante, une inexistante. La vérité, je suis opposant, n'est pas un seul de roche, qu'on peut glisser dans ta poche, mais un liquide sans limite dans le plus longtemps. Alors, de temps en temps, chaque opposant, je tiens à couper au monde derrière le monde. La vérité ne peut être préférable en voyant, en que tout le peuple a vraiment.